pour le moment, toyé pour la formation, dans le cadre de la PEDESC. Au niveau de la PEDESC, nous avons un coordonnateur dans la ville-province de Kinshasa. Coordonnateur. En tout cas, formation qui est bien, il y a des gens qui à Kinshasa, il y a des provinces qui formation qui est bien, en tout cas, ma qui est bien. Parce que je suis coordinatrice provinciale des PEDES au niveau de la province. Notre vision d'ensemble ou globalisante est qu'on mette en pratique des dispositions pratiques pour le développement réel de différentes provinces et de la République démocratique du Congo. Mina Tuliku ya pa formation, il y a ONG et ya PEDESC. Banakia kutu formé comme chenjo benye tu kutu na représenté ma province. De balikia kutu formé ju na chie twende ku formé base yetu. Ku namna gani mbonye tutaweza ku augmenter augmenter activité et la pisciculture surtout nous biko bana tu former hapa ba mwina ntanda ba teleji ba siwa te tutu di bimanyinyi ba PEDES au niveau wa province wa Kasai Oriental tine jani mulanga kasanda Chantal tuju mwa beu wa te tukulonga midimu mishile shilangana ya développement pour la province de Kumpala, pour la province de Kumpala, pour la vision de la chef de l'État, ou de Jingani, pour la province de Yons, pour la province de Biola, pour la province de Biola, pour la province de technicien de développement rural et puis expert en pêche et aquaculture. Nazali consultant. Nakati a structure ONG PEDES. Les alliés ONG ont été vrais. L'objectif est d'accompagner la vision en chef de l'État, surtout beaucoup plus dans le domaine de l'agriculture. Dans la zone de l'agriculture, dans le l'agriculture de manière générale. Parce que l'agriculture se répartit ou se divise en trois sous-groupes. Il y a l'agriculture proprement dite, il y a l'élevage et puis il y a la pêche. Jesus Christ name. I'm your sister, Mama Marthe, you know me. Those that you know me, I'm a president, leader of this charity. So I'm going to present you these people. They are coming from outside of Kinshasa. They just came here because there was a very good program concerning them. Because they are leaders, they are conducting a big program in their province. This woman, she's my sister. She's a leader in the province Oriental. Melangai asbele zalaka kaka moko ebengami na kombo PEDES oyo kumameli na mama mate kaseka balobi balovetire zalaki lelo avec impact na ideologie oyo asangisi ba coordonnateur presque nyonso ya province oyo bayokoza formation awa na kati ya république démocratique du Congo précisément na kati ya capitale Kinshasa balobi ezalaki sombele suka bisanga babotala bino moko ndenge formation ebandi lelo avec impact na idéologie bomoni ye moko pe mama mate kazeka zalaki wana mpona kolandela ndenge ba coordonnateur bazoza formation na ndenge ya idéologie na ndenge tolobaka kaka batulampaka bamona pelebe asbel PEDES ke ye na moto ya danger mama mate kazeka oyo azokumba melango azokumbelango na ndenge ya idéologie bazo soutenir toujours vision il y a mon compte en banque, peu bas soutenir ma fille mère, peu ma maman la biso, ma veuve, peu bas oyo basangi et loco ya kosala, bazana pour nous repérer sa maman et loco, merci na maman Marthe Kazeka, oyo azana souci ya peuple congolais, oyo azana besoin souci ya africain non surtout, bakende liboso afrique na biso telema, wana ne biti ya PEDES ke balobi maman Marthe Kazeka ou mela na yo, asbele zaka ka moko bondi melanga nzoka ndeza na ngo PEDES ke avec un pas na idéologie. Bon, la bino moko ndenge bango moko ba panzi teke na micro ya Fabrice Mutombo. De tous les problèmes qu'on a étudiés ici. Les problèmes qu'on a eu à étudier, si nous avons parlé dans chaque 25 km de la RDC, se trouve une source d'eau. Chaque 25 km du Congo a une source d'eau qui coule toute l'année. Wow, c'est très bien.
C'est ce qui nous ramène maintenant à être le deuxième réservoir mondial d'eau douce, après le Brésil. Vous comprenez? Ce sont les trois éléments constitutifs de l'alimentation du poisson. Et ici, je parle en termes de pourcentage. Maintenant, là, nous parlons en termes de kilos. Pour convertir, hein, de manière à ce que la compréhension soit facile. Ouais. Je prends encore 15 kilos ou 15% de manioc. Manioc, il me donne 75. Ouais. Ok? Ouais. Je prends 10 kilos de maïs. Juste pour enrichir, hein, maïs. Parce que le maïs et le maïs contiennent du sucre. C'est pourquoi la brasserie va s'aider à la maïs. Maïs. J'ai 85% et il me reste 15% de colza. Comme nous n'avons pas la possibilité de trouver le colza ici, nous récupérons les graines de coton qui ont la même valeur nutritive que le colza. Et nous avons l'aliment 100 kilos. N'est-ce pas? Oui, oui. Parce que j'écris un peu en désordre. On commence avec la protéine. Quelle quantité qui correspond à combien de kilos? Hein? Protéine. Hein? Ok. Protéine. Protéine. 48%. 2. Lipides. Qui est 12%? Lipides. 12%. 3 glucides. Tu récupères 40%. Oui. Si nous prenons des pourcentages, on peut les convertir à 100 kilos, non? Oui. Et 100%. 100%. N'est-ce pas? Oui. Donc, 48% ici représentera automatiquement 48 kilos. Et 40% ici représentera 40 kilos. Ok. Oui. Maintenant, pour être riche sur ces 40% d'alimentation qui influence la qualité de la chair. Okay. Maintenant, on parle en termes de spéculation. Au niveau des 40 kilos, on met le coton. Soja. Le soja. Ici, c'est ici qu'interviennent les graines de coton. À 40 kilos là. Les jacinthes et autres qui absorbent le dioxyde de carbone. Jacinthe va venir à Congo ici. Ah, s'il vous plaît. Quand vous parlez de termes scientifiques. Avant d'aménager un projet aquacole, il faut procéder par la choix de vous comprenez? C'est le premier préalable des choix de parce qu'on ne peut pas aménager un état où il n'y a pas de l'eau. Et quand vous trouvez là où il y a de l'eau qui coule, elle est derrière. Oui. Là, il y a besoin de la terre, tenir l'électricité, oui. À l'énergie solaire. Mais là, il y a une petite ruisseau qui coule. Maintenant, quand il aménage son état, et d'abord, il y a la position géographique. Vous comprenez? Il faut moins diminuer par gaz ou voilà. Ça réglemente aussi l'oxygène et la température. Le soleil joue ses rôles aussi. Après le soleil, il y a. Il y a avant tout, c'est quoi? Quand vous avez mangé, cherchez. Choisissez d'abord le terrain. Quand vous choisissez le terrain. L'installation d'un état. Oui, vous choisissez un terrain. Quand vous choisissez un terrain, le terrain ne doit pas d'abord être accidentel. Ça, c'est le premier facteur. Pourquoi? Parce que si c'est un terrain accidentel, aux yeux terrain, on la pente. Et là. N'est-ce pas? Oui, oui. Et vous serez perdant. Donc, il faut éviter des terrains accidentels. Et dans les syllabus, vous aurez à lire, nous avons parlé de trois types de terrains. Parce qu'il faut commencer d'abord par aménager les états des ONG qui constitueront des états pilotes. Et ce sont ces états qui vont donner les moyens à la structure. Oui, oui.
très arrivé. Vous comprenez? Et ce sont des états pratiques. On aménage peut-être deux états. Vous comprenez? Si on arrivait à aménager le disque, trois états et deux cages par province, ça fera cinq états par province pour les communautés. Vous comprenez? Dans un premier temps, ça vous constituera les ressources financières. Et ça vous permettra pendant la formation d'être démonstratif. Et à part le choix du terrain, n'est pas accidentel. Si votre terrain est marécagé, il y a des techniques appropriées pour aménager les états. Marécage. Le terrain est en maille. Maille. Et ça va bon terrain. Ok, il faut creuser. Oui, il faut creuser jusqu'à la terre ferme. Donc, vous dites ce qui est zéro, vous dites zéro. Ce qui agit, vous dites agit. Vous comprenez? C'est au-dessus de ça maintenant qu'il fallait commencer à aménager des digues. Nous, chez vous, nous faisons des digues de 3 mètres. Et là, donc, digues, là, nous sommes au moins à 3 mètres. Et dans ces 3 mètres, dans le soir, on suit maintenant sable pour enfouir la gâtiwa. Nous sommes ici. Tout ça, le contour est en mineur. Ça constitue quoi? Ça constitue une barrière. Parce que si c'est resté en marécage, tout se voit comme ça, les poissons peuvent facilement glisser parce qu'ils ont lisse. Hein? Mais si les poissons pénétraient et qu'il y a pourtant eu à zéro, il ne sera pas avancé. Et prochainement, bah vous présenter sous son. C'est pour cela que vous constatez qu'il y a des fois où le sang est en à 2000 poissons. Après l'hydrographie, il y a la population. Essentiel, de manière résumée. Parce que tous les détails dont on a eu à parcourir, c'est par rapport à ça. Et dans le deuxième chapitre, on n'a pas parlé, mais nous parlerons maintenant du développement du sujet, qui est les techniques d'aménagement d'un état. Ici, de tous les problèmes qu'on a étudiés ici. Les problèmes qu'on a eu à étudier, si nous avons parlé dans chaque 25 km de la RPC, se trouve une source d'eau. Chaque 25 km du Congo a une source d'eau. Qui coule toute l'année. Wow, c'est très bien. Oui, c'est pas ça. C'est ce qui nous ramène maintenant à être le deuxième réservoir mondial d'eau douce après le Brésil. Bonjour papa Pierrot. Bonjour papa. Bonjour papa. Vous êtes présenté dans la Imboka. Ok. Nga Nazali Faustin Ilombe, Naza pasteur, mais pour le moment, tu es pour la formation, na cadre ya PEDESC, na niveau ya PEDESC, Naza coordonnateur na ville province de Kinshasa. Grand coordonnateur. Oui, but c'est PEDESC en Kinshasa, l'idéologie en étant de. Bon, but, il y a Bissot PEDESC en Kinshasa, c'est venir en aide certaines couches yabatou. Le col là-bas, orphelin, demi-nuit, femme veuve, fille mère qui ont perdu de l'espoir que Namo Kiliako Salali sur le côté pour Babouti Saye. Alors, PEDESC, Tozoya avec une possibilité à Kosunga Bandekoana. Tout petit bango formation, si ma formation, tout le qui n'a pratique avec une possibilité à couper Moussala pour que Akoka pour intégrer, pour réintégrer la société congolaise. Oui, admettons que c'est 1 kilo, c'est vendu. Bon, Nassima Makambo, et tout ça, la présidente Nabiso, maman Marthe Kazeka, Azalaka, Azak congolaise, mais Azalaka na Irlande, Yende Azo Bunda, na moi Makasi Azanango. Pour que tu appelles sa mission main forte, tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Ok, pour na ba bandeko, d'abord tu bandi na bateau, tu as un peu de temps. En tout cas, vous adressez la mission, vous avez un peu de temps.
pour s'adhérer massivement na kati ya projet Nabiso et à ONG. En tout cas, vous allez discuter, vous allez réintégrer la société congolaise, vous allez désespérer l'espoir et Kozonga. Et puis, na bandeko mususu bazana moi quelque chose. En tout cas, au yo terrain ya malamu au boko iko investir. Boza libanda ya mboka boza na kati ya mboka na biso. En tout cas, venez bocha biso main forte pour que toko ka kosala musala au eza musala moko malamu. Merci beaucoup. Ah, bonjour madame. Bonjour papa. Oui, Kombo se présenter où tu as pipi tout. Parce que Kombo na ngai Paul Mavinga Samo. Kombo na ngai Paul Mavinga Samo. Na uti na ba Kombo précisément na boma. Bon, on a cordon ya Pedex boma. Na ye toza na réunion formation moko tozo landa awa na ma président na biso mama Marthe Gazette. En tout cas, formation qui na kuluta bien bapanga munu ya boma bapanga munu ya Kinshasa ya ba province nyonso formation qui na kuluta bien en tout cas ma bunyonso qui est bien. Nzambi qui na kusunga nzambi qui na kubatela qui na kulanda la formation et qui on a bien. Merci. Bonjour. Kombo, ma escoto uchi ko so. Tu parles en français même là. Non, je préfère parler en français. Oui. Je m'appelle madame Chantal Moulanga Kasanda. Je viens de la province Kasai Oriental. Mon nom est Awa, la porte à PDS, la vision est à PDS. Oui, oui, je suis là dans le compte de PEDESC parce que je suis coordinatrice provinciale de PEDESC au niveau de la province. Notre vision d'ensemble ou globalisante est qu'on mette en pratique des dispositions pratiques pour le développement réel de différentes provinces et de la République démocratique du Congo. C'est pour cela notre souci est que, à travers la formation orientée vers les activités précises de développement, comme aujourd'hui nous sommes en train d'apprendre des choses par rapport à l'aquaculture, envie de mettre en place des étangs agricoles et produire des produits aquatiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire et pour aussi booster le développement réel de notre province, des différentes provinces, envie d'entrer dans la vision des chefs de l'État, de booster le développement réel et pérenniser les activités de développement au niveau des différentes provinces. Oui. Est-ce que vous avez des choses à faire pour que vous puissiez vous faire au niveau de la province de Kasai Oriental? Tinejani Mulanga Kasanda Chantal. Tujumwa beu wate tukulonga midimu mishile shilangana ya development bwa kuyisha province wetu Kumpala, kuyisha jitunga jetu Kumpala, kubwela mu vision wetu wa chef de l'État udujingani muma province yetu yonzo ba mamu bi manyi nakulu bwa kulwangana ni nzala bwa kulwangana ni biola ni bwa kutungunu jama tunga yetu ni mijimu yetu ya abianza yitu jitwenza kibalika ilelu mwabe haji mtu sangana tulimunga chumwa kuyila malu ajatanyila kumuna kwa bikela bisamba kaja ni majimi se bitu jitetu tubigila mwakulu wa facha facha ni akwa kilitur dangwa wa ulelu yetu jumwabe watetu kulonga mshindu kwa yutu mwakulonga mwakumuna bikela Bidji, mungondu isambombo. Tuhatula bikele bia kilo, ibidji, kilo isatu. Mwakuluangana ni nzala, ijimika la misoku yetu. Nangwa mlonga shuwetu watu lejeni. Mayishaka tukusha jilano yetu tetu, tona ya muma province yetu. Eche chini teori, fazi pratik, watumbula majibau.
tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est ce qui est dit là-bas. Bonjour, papa journaliste. Comment on se présente, que vous avez dit la province? Je suis à Bengami, je suis à maman Moussa Zaïna Florence. Je suis na province de Tchopo, donc Grande Orientale. Na Grande Orientale, wana nazali ko coordonner quatre sous-provinces. Eza na province ya Tchopo, province ya Tchopo eza na 7 territoires, province ya Baouele eza na 5 territoires, province ya Ouele eza na 5 territoires, na province ya Ituri eza na 5 territoires. Nde naza ko coordonner na ONGD oyo ya Pedeske. Idéologie na biso ya Pedeske pour la bozo pour milongo. Idéologie na biso ya Pedeske ezali pona to sunga ba bola, to sunga ba orphelin, to sunga ba fille mère na ba différents activités oyo tozo sala. Donc activité ya agriculture tozo sala kuna, activité ya pâtisserie, donc ya transformation ya culture na biso ya manioc et surtout toza pe na activité mususu ya élevage de poules na pisciculture tozo salango, toza pe na activité mususu ya coupe couture pona ba femme ba fille mère tozo sunga pe bango. Voilà synthèse dans mon on a bien un mot quand bandeko ba ticket kuna tomba pour mon na mama yake mama. Non, mimi naweza kusema Swahili njo langue zaidi yenye tunasemaka ku province ya Grande Orientale. Mina tulikuya hapa ku formation ya ONG ya PEDESC banakia kutuformer comme chez njo benye tuko tuna representer ma province. Ni balikia kutu forme juu na shie twende kuforme base yetu kuna namna gani mwenye tutaweza ku augmenter nani na yetu ya nani ya ku augmenter activité yetu ya pisciculture surtout nje biko bana tu forme hapa modele kani tutaproduire shie peke ba levain modele kani tutabakulisha modele kani tutayua kubatunza. En tout cas, nous inatupatia furaha sana. Tuko na ba tunafanya activité ya pisciculture sans le savoir atuyua kiata namuna gani tutaweza kukulisha hayo, namuna gani tutaweza produire chez peke ba levain. Mambo tunanunuaka tu ba levain, atuyue kumbi consanguinité pia ya samaki na kuwaka. Tuko tunashangaa hapa kwenye formateur iko natuambia ke samaki haiwezi kujiproduire bia bien kama kuko consanguinité. En tout cas tunashukuru sana na information enye papa akili iko anatufundisha na iko anatufungula akili juu sasa jina yake vile nasema akili manake atufungula akili juu tuyue modele kani tutajiprendre en charge ku province yetu yote. Accent sana. Bonjour chers journalistes. Merci beaucoup de vous donner l'opportunité au Pessingai. Comme on a monsieur Akili Fata Kijon, technicien de développement rurale et puis expert en pêche et aquaculture. Nazali consultant, Nakatia structure ONG PEDESC. Ezali ONG ou Ezako Evre, na objectif à accompagner ma vision en chef de l'État, surtout beaucoup plus dans le domaine de l'agriculture. Tant dans l'agriculture, dans l'agriculture de manière générale, parce que l'agriculture se répartit ou se divise en trois sous-groupes. Il y a l'agriculture proprement dite, il y a l'élevage et puis il y a la pêche. Donc, ONG PEDESC Ezako Evre Pena, domaine Nabiso et agriculture. C'est comme ça que j'ai été consulté pour qu'il a dispensé modi la formation sur la pêche et l'aquaculture. Les raisons et même ingayao beaucoup tingayao nous ont dispensé cette formation. Nanan. Objectif poursuivi Zalini. Objectif poursuivi est d'abord 1. Renforcement à capacité à bas coordonnateur, à bas coordonnatrice et à province et à ONG par disque. Parce que toutes les ONG ou ONG ont un seul objectif. C'est le développement intégral, il y a des milliers respectifs dans le bango.
ndenge moko ONG PEDESC na biso ezoluka développement ya ba milieu respectifs ou ya ba province oyo bango ba représenter bayaki ko acquérir de nouvelles connaissances par rapport à secteur ya aquaculture na ya pêche pour que bakende ko mettre en pratique connaissances théoriques au bazui na ba province na bango pour que augmenter un plus nga en tant que consultant ya structure na se disposer pour na ko pesa bango d'abord formation pratique et théorique. Après partie théorique, on va tourner à province par province pour mettre en pratique théorie théorie. Voilà, ce n'est que juste le début du commencement. Il y a un processus de formation avec l'ONG PEDESC. Merci beaucoup. Hello everybody, I greet you people in Jesus Christ's name. I'm your sister, Mama Martha, you know me. For those that doesn't know me, I'm a president, leader of this charity. So I'm gonna present you these people. They are coming from outside of Kinshasa. They just came here because there was a very good program concerning them because they are leaders. They are conducting a big program in their province. Like this woman, she's my sister. She's a leader in the province orientale. For those people who know province orientale, elle vient de la province orientale. Elle s'appelle Maman Florence et Maman Chantal vient de la province du Grand Kasaï. Elles sont des coordonnatrices de ces grandes provinces. Et puis nous avons aussi notre cordon qui vient de Bas-Congo, voilà, Congo central, Luozi. Et ils sont ici pour leur formation. Et puis, maman Anna, elle est ici de la province de Kinshasa. Et maman coordonnatrice de la province de Congo central, Boma. Voilà. Et le cordon principal, le cordon Faustin, il est ici. C'est lui qui nous a reçu. Ensemble avec le cordon Pierrot et coordonnatrice et maman Anna, ce sont eux qui nous ont reçu. Je vous aime beaucoup. Ceux qui veulent s'adhérer à nous, PEDESC, seront jamais déçus. Nous sommes là pour travailler, nous sommes pragmatiques. Donc, Moussala Onzamba Pesibiso Yangoyo, Toyamba qui est ingénieur Nabiso, ingénieur Akiliewana, Bomoni formation à Pesi, Kitoko, 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 Poto Longwana ignorance. Bomoni ignorance, c'est ça ma bezo boma. Tozo yé kola poto pratiquer tout ça là. Baga pragmatique. Toi, ba francophone, t'es à ba littérature, comme belé, belé, ba français belé. Ba tu m'as dit ça, lobby français belé, n'a yébité. Nous devons travailler. Il y a un sala. Pour que les pauvres aient été, ils ont été en Congo. 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 We love you. Very good. La République démocratique du Congo, je suis Narabato, et Zalaka, Namami Balete, Zalaka, Kakamoko, et Benamina Kombo, et Angela Nukimatoa, et Kumba Melina Biona, Nabuluzo, Kingoma, presque à danger, à Likonzinga, Tion Gambela, na Avenue Makanza, numéro 46, na commune Yangirngi. Mangoué Zani, Libiste, Mangoué Zan, pour soutenir ma personne vulnérable, la commune de morale. Orphelin, peu ma femme, peu ma personne, vive avec un handicap, par le vivre à souki, si sous-souranté, basali à peine la bateau, le basan amité, ma malam, ou le basalakanamote, ma yako sunga, par le vivre à